connue sur Eduquia. Eduquia est une plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique de l'Ouest. Alors, vous y retrouverez tout ce qui est annuaire des établissements, fiches métiers, tout ce qui est interview de professionnels. Donc, aujourd'hui, on est avec Oumaïssa, qui est au Niger. Tout ce qui est test d'orientation et des conseils également de professionnels. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page eduquia.com, à liker aussi la vidéo parce qu'on va partager pas mal de choses, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles notifications. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Oumaïssa qui va nous parler de son métier. Oumaïssa est responsable, donc si je ne me trompe pas, marketing et communication. En sachant qu'avant, tu as fait tout ce qui était social media et aussi community manager. Donc, je te laisse te présenter, Oumaïssa. Bonjour tout le monde, bonjour Ina, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui, de te rencontrer. Plaisir de voir qu'il y avait une plateforme de ce genre qui permet vraiment aux jeunes de pouvoir s'orienter. Donc, comme elle l'a dit, j'ai 26 ans et je suis social media manager et community manager. Donc, le dernier job que j'ai occupé, c'était responsable de communication digitale pour une agence de transfert d'argent qui se nomme Zegna Transfer, qui est une agence de transfert d'argent qui a ouvert en janvier 2020 et qui est bon, l'une des agences de transfert qui a nouvellement ouvert et qui est assez dynamique, surtout dans la communication. Donc voilà. Le social media et le community management, c'est vraiment deux métiers qui vont de pair, mais je suis assez spécialiste dans les deux. Et actuellement, je forme aussi, je coach. Il m'arrive de coacher, de former des jeunes qui veulent vraiment se spécialiser dans le domaine. Donc voilà. Quelles sont les missions que tu as au quotidien? Quand je viens d'habitude au bureau, c'est toujours vérifier mes mails. Parce que avant, je gérais pas mal de comptes. Et il arrive que certaines requêtes dont j'ai envoyé dans la soirée, le matin, la première des choses vraiment, c'est de regarder si on sent, pour voir s'il y a des retours ou si il y a un client qui a une requête. Parce qu'il y en a qui préfèrent t'écrire par WhatsApp, il y en a qui sont plutôt mail, moi, il y en a qui préfèrent t'appeler directement. Donc, c'est vraiment de vérifier sa boîte mail. Après, en tant que community manager, évidemment, il faut établir les plannings. Des fois, nous avons des clients qui préfèrent aller sur le planning mensuel. D'autres, c'est plutôt hebdomadaire. Surtout quand nous prenons des agences ou des entreprises qui communiquent beaucoup. Donc, vous savez que la com, c'est aléatoire. Donc, on peut avoir une prévision, il y a une nouvelle offre qui tombe. Donc, du coup, tout ce qui était prévu est stoppé pour se focaliser uniquement sur les promos. Donc, c'était vraiment suivre vraiment les activités, les plannings, les établir, les plannings des contenus, évidemment, parce que c'est ça aussi le community management. Ça demande vraiment avoir une très bonne technique de rédaction. Parce que d'habitude, j'écris beaucoup. Avant, je n'aimais pas trop écrire, mais finalement, je me suis habituée parce que c'est ça la com digitale. C'est toujours Bien écrire sûr. soit sur des blogs, mettre à jour les sites ou bien communiquer sur les réseaux sociaux. En gros, c'est ça. Et la plupart du temps, pendant 2 ans, j'ai vraiment fait du community management. Donc, c'était vraiment aller sur le terrain aussi lorsque il y a un événement d'un client et c'était ça mes journées. Elles étaient assez mouvementées parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. J'aime pas venir m'asseoir en quatre murs du matin au soir et aller aussi sur le terrain lorsqu'il y a des événements d'un client ou même par exemple des événements de certains forums ou salons. Parce qu'on avait pas mal de contrats avec certaines entreprises ou bien certains consortiums. Vous pouvez aller regarder par exemple sur les pages de Sahel Innov, de Innovation for Development 2019, i4Dev, de Itakara, qui est une compétition numérique purement nigérienne afin de promouvoir l'été ici au Niger. Donc, c'est une compétition dont j'ai couvert pendant 2 ans. La première édition s'est tenue en 2017. La deuxième en 2018 et je me suis occupée totalement de la communication digitale. Donc Ah, voilà en super. gros ce que je fais de mes matinées. Ce que je comprends, c'est que quand tu dis communication digitale, ce n'est pas que sur Internet ou sur l'ordinateur, c'est aussi en termes physiques. Parce que là, justement, tu parlais de te déplacer et d'aller à des événements. D'accord. Oui, exactement. En fait, des fois, c'est vrai qu'on est cette madame tout le monde qui communique, qui devient un peu l'ambassadeur d'une entreprise. Par exemple, si je prends le cas de Orange Niger, parce qu'on était prestataire de la communication digitale de Orange Niger de 2017 à 2019. Donc, tout ce qui passait sur Facebook, Twitter, Instagram,
C'était vraiment mon agence qui s'en occupait et j'étais cette madame tout le monde qui publiait sur leurs réseaux sociaux et qui répondait aussi aux clients. Mais quand il arrivait, par exemple, que Orange signe une convention ou un événement assez important ou quand Orange devient sponsor lors d'un grand événement, bon, vous savez bien le branding et c'est normal que je me déplace avec eux à chaque fois pour pouvoir vraiment publier, prendre des photos avec mon photographe et publier sur leur page afin vraiment que les gens sachent instantanément ce que Orange est en train de faire. Tout à fait. Vraiment, j'avais que pour mission de dynamiser leur page et de les faire vraiment connaître et de faire connaître vraiment d'autres aspects de chez Orange que les gens ne connaissaient pas. Donc, c'est normal que des fois que je me déplace pour pouvoir tweeter en live directement, faire des lives, prendre des photos, tweeter, faire des publications sur Facebook, vous voyez un peu. Donc, c'était pas seulement que des plannings que j'établissais, parce que après avoir établi les plannings que les clients valident, après, vous savez, il y a des outils qui nous permettent de programmer les publications. Parce que bon, voilà, c'est comme si c'était un emploi du temps. Le lundi à 8h, il y a une offre sur, par exemple, je ne sais pas, une nouvelle SIM ou une réduction, un truc du genre. Il y a toujours ces publications, mais il y a aussi ces publications qui peuvent nous tomber par surprise. Par exemple, ils peuvent nous appeler à la dernière minute. On a un événement ce soir, est-ce que vous pouvez venir? Et nous, il fallait vraiment qu'on soit sur place pour pouvoir vraiment médiatiser aussi l'événement sur les réseaux sociaux. Mais il y a toujours le côté relations publiques, la télé et les radios qui se déplacent toujours. Mais bon, je me considérais toujours comme une journaliste digitale, si vous voulez. La chance. Bah, du coup, c'est ce que je me disais. Je me disais, en fait, quand tu dis ton métier, ça fait, enfin, ce que tu dis, ça fait quand même rêver. Je pense que ça fait rêver quand même pas mal de gens d'être, enfin, surtout d'utiliser les réseaux sociaux dans son travail et puis d'être sur les endroits, enfin, ou en tout cas à des événements qui sont intéressants. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es orientée vers ce métier? De tous les métiers que tu connaissais, pourquoi tu as choisi celui-là? Franchement, si je vous raconte, vous serez morte de rire parce que vas-y. J'avais vraiment pas choisi ce métier. Mais je pense que le hasard. C'est plutôt le métier qui m'a choisi. Bon, en fait, il faut savoir qu'après mon baccalauréat, chez nous, les baccalauréats... T'as fait un baccalauréat littéraire, scientifique? Littéraire. Excuse-moi de t'interrompre, c'est juste pour situer un peu ton parcours pour que les gens puissent comprendre là. Bien sûr, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment parlé de mon parcours. C'est vrai que j'ai étudié ici au Niger, j'ai fait le primaire, le collège et le lycée ici, dans une école qui est assez renommée, qui s'appelle le collège et le lycée Mariama. C'est une école vraiment réputée et qui est vraiment excellente jusqu'à aujourd'hui. Elle reste toujours d'actualité depuis sa création, je pense, dans les années 60. Ouais. C'est une école qui était tenue par des sœurs canadiennes, mais qui ont fini par quitter. Je dis « ah » parce qu'en fait, on a un équivalent en Côte d'Ivoire, excuse-moi, qui s'appelle Lycée Sainte-Marie. Et du coup, c'est pareil, c'est tenu par des sœurs. Ah bah, tu sais, en fait, c'est Sainte-Marie Eugénie, en fait. Ah bon? Oui, mais bon, bah, comme tu sais, comme Marie, c'est Mariama ici. On a... Tu vois. Parce que du coup, moi, j'ai fait le lycée Sainte-Marie. Donc, du coup, je vois bien de quoi tu parles. Ok, donc il y a l'équivalent qui s'appelle Mariama. Bien sûr, il y a plus ou moins l'équivalent. Oui, Mariama, voilà. Et j'ai fait mon bac là-bas en 2012. Je l'ai passé avec mention bien. Bravo. J'ai ensuite étudié. Merci. Ça fait déjà 8 ans, mais ça passe tellement vite. Après, j'ai étudié ici. En fait, j'avais vraiment ce problème aussi. J'ai rencontré vraiment ce problème. Parce que avant, quand j'étais vraiment au lycée, c'était vraiment le droit qui m'intéressait. Ah. Je voulais vraiment être juriste ou avocate. Je me voyais vraiment dans mon cabinet. Hein. C'était vraiment dans ma tête. Je voulais être juriste. La question, c'est pourquoi je voulais être avocate, en fait? Je ne sais pas. Je trouvais que ça me fascinait de regarder, tu vois, à la télé, ces avocats prendre la défense et bien s'habiller, surtout les femmes, bien sûr. Et je me disais, ouais, j'aimerais vraiment prendre la défense des gens ou bien être notaire parce que je voyais que c'était un métier qui était assez, c'était assez cool. Voir les gens venir dans son cabinet. Vraiment, c'était un métier que je me disais, il fallait vraiment, en tout cas, je voulais vraiment évoluer dans le droit.
Ouais. Maintenant, une fois après le bac, vous savez, on est en Afrique. Il y a toujours ce que tu veux, ce que la famille veut, ce que les proches te disent de faire. Et je me sentais un peu égarée à un moment. Finalement, c'était soit de faire le droit. Maintenant, OK, le droit. Rester au Niger ou aller à l'extérieur. Ça a commencé à tirailler de gauche à droite. Et après, il y a une école, un institut qui s'appelle IIM. Je ne sais pas si vous connaissez, Institut international de management. Oui, j'ai Ils ne regardé sont du coup. pas à Abidjan. Ils ne sont pas totalement à Abidjan, mais ils sont présents dans 8 pays d'Afrique. Parce qu'ils sont togolais. Donc, ils sont au Bénin, au Togo, au Niger, au Mali, au Tchad, en Mauritanie et en Centrafrique, je pense. Ok, donc il faut les Donc, je suis ajouter sur partie passer Edukia, le. alors, j'en déduis. OK. Ok. Donc, du coup, je suis partie, j'ai fait un test parce que eux, en fait, c'était un test de bourse. Parce que, bon, c'était une école qui était assez chère. Et compte tenu de la réalité économique de certains parents, ce n'est pas tout le monde qui pouvait envoyer son enfant dans ce genre d'école. Donc, j'ai trouvé vraiment judicieux qu'ils font passer des tests en fonction des points, on te fait une réduction. Des fois, c'est une demi-bourse, des fois, c'est quart de bourse. Bon, Ok, j'ai tellement très bien. négligé le concours parce que moi, dans ma tête, c'était toujours le droit. J'étais toujours là, mais c'était juste pour multiplier mes chances. Du coup, j'ai passé le test de bourse et j'ai eu un quart de bourse. Finalement, j'ai commencé un tronc commun. Mais j'avais toujours la tête ailleurs. C'était vraiment de rester ou de partir parce que vraiment, ça m'obsédait. Il me fallait être dans le monde juridique. Finalement, j'y ai pris goût. Je suis restée. J'ai fait 1 an de tronc commun. En fait, dans leur système, au début, c'était 2 ans de tronc commun. Et la licence, on choisit une filière dans laquelle on se spécialise. Mais on est venu en deuxième année et ils ont intégré le système du BTS, brevet technicien supérieur. Et on était vraiment la première promotion officielle. Il y en a qui anticipaient dans les années antérieures, qui anticipaient en candidat libre pour aller au BTS d'État. Mais nous, nous étions vraiment officiellement la première promotion qu'il fallait passer le BTS. C'était vraiment obligatoire, enfin, facultatif, mais il fallait le faire. Donc, du coup, il fallait choisir une branche. Laquelle? J'aime pas trop les maths. J'ai horreur. Mais j'ai compris après que c'était inévitable. Bon, en bon littéraire, c'est vrai qu'on n'est jamais ami avec les maths. Et du coup, j'avais l'option entre l'administration, gestion des entreprises ou bien la gestion commerciale marketing. Tiens, pourquoi pas le marketing? Ça m'a plu. Je me suis dit, ouais, je vais aller là-bas. C'est sûr que je vais pas trop rencontrer de comptabilité. Malheureusement pour moi, il y en avait. Je vous jure qu'il y en avait. Il y avait toutes les comptabilités et il y avait de la statistique. Mais Dieu merci, j'aimais beaucoup la statistique, j'étais assez bonne. Du coup, c'est comme ça. Et j'ai pris vraiment goût à la gestion commerciale marketing, je ne vous Qu'est-ce cache qui t'a pas. plu dans la Et je gestion me. commerciale marketing? En fait, c'était tout. Je n'ai pas compris aussi comment j'ai vraiment aimé. C'était des cours que Enfin, c'était le marketing, je voudrais vraiment savoir c'est quoi. Parce que beaucoup de gens, ah, mais le marketing, c'est du mensonge. Vraiment voir si ce n'est que du mensonge ou c'est vrai, c'est pas vrai. Il fallait vraiment que j'y aille. Et quand je suis partie, j'ai pas été vraiment déçue parce que c'était des nouvelles matières, c'était un nouveau monde en fait que je découvrais. Parce que bon, chez moi, pratiquement tout le monde a fait les. Tout le monde travaille dans le public. Et je suis vraiment la seule. Bon, mon père a travaillé une partie de sa vie dans le public, mais après, il s'est retrouvé aux Nations Unies. Mais concrètement, des études privées dans un institut, je suis la première. Tout le monde a fait soit l'ENAM, soit l'université, vous voyez un peu. Donc, du coup, j'étais vraiment la seule qui prenait une branche que les gens ne connaissaient pas trop chez moi. Et je ne comprends pas jusqu'à présent, ils ne savent pas trop c'est quoi mon job. Ils comprennent que c'est le digital marketing, mais bon, Voilà, qu'est-ce dès qu'il qu'elle y a fait des concrètement? ordinateurs, Oh on non, ils sait ne plus savent ce pas qu'on du tout. fait. Bon, je comprends, ce n'est pas les mêmes générations. Ah non, 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 laisse tomber. Ils sont tous dépaysés, je te jure. Mais on comprend que je fais un peu de la com et tout, mais bon, ils ne savent pas concrètement à quoi ça sert. Bon, du moment où je me sens épanouie, pour eux, tout va bien. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un nouveau monde que j'avais découvert avec la gestion commerciale et j'y ai vraiment pris goût. C'était vraiment les négociations, les ventes, comment négocier, la statistique était là. Et dans notre tête, c'était vraiment avoir le BTS. Et faire vraiment 100%. Parce qu'en gestion commerciale, nous étions en fait la branche qui avait vraiment beaucoup d'étudiants. En comptabilité, ils étaient à peine une dizaine. Alors que nous, on triplait.
On était carrément une quarantaine en tout genre. On était presque 40, je pense. Et on était vraiment nombreux. Et l'objectif de nous tous, c'était vraiment obtenir le BTS. On a beaucoup galéré, on a souffert, c'était vraiment pas facile. Je pensais que le bac était compliqué, mais je vous jure que le BTS... Et c'est ça, en fait. En général, on se dit, effectivement, le bac, c'est une étape. Mais en fait, c'est, j'ai envie de dire, quand tu as dépassé cette étape, tu sais que c'était juste le début de quelque chose, en fait. Je me rappelle, je l'ai dit quand j'avais eu le bac, je le disais à ma grande sœur aînée, parce que je vis chez elle. Je lui ai dit, tata, je suis sûre que je ne vais plus jamais traiter de toute ma vie à cause d'un examen. Façon, le bac m'a fait chier. Elle a souri, elle m'a dit, je pense que c'est maintenant que tu vas commencer. Et je te jure, quand j'avais fait le BTS, je me suis dit, mon Dieu, le bac est mieux, le bac est mieux, le bac est mieux. Comme ça, à licence aussi, j'ai fait la gestion commerciale et financière. Et là, j'avais eu ma licence, j'avais soutenu. En fait, en licence, on avait droit à soit à faire un mémoire ou bien à faire un rapport de stage. Mais moi, je ne sais pas, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un mémoire? Dans tous les cas, je ne vais pas y échapper à master. Un rapport de stage, je ne sais pas. Ce n'était pas vraiment un gros défi. Moi, j'aime les défis, en fait. Du coup, je me suis dit non, il fallait faire le mémoire. Parce que tôt ou tard, je vais le faire. Donc, mieux vaut que je sois déjà imprégnée. Et j'ai fait le mémoire. Et, j'avais fait mon stage dans une banque de la place, c'est la Banque islamique du Niger. J'avais fait 3 mois de stage. J'étais à la clientèle, parce que c'est ce qui cadrait un peu avec le marketing. Mais j'avais fait un peu le tour des départements. Parce que, bon, il fallait vraiment qu'on s'imprègne un peu de l'entité. Donc, c'était un peu un coup au financement, un coup à l'audit, un coup à la clientèle. Mais j'ai vraiment plus duré à la clientèle. Donc, je suis venue, j'ai fait ma licence, je suis passée en master. Oui. Et là, il fallait encore faire un test de bourse. Là, j'ai eu des mi-bourses. Donc, parce que c'était nettement un peu plus cher que le premier cycle. Oui. Mais à IEM, il n'y avait pas de gestion commerciale en master. Donc, il fallait choisir une branche et je ne voulais pas aller en communication parce que je me suis dit que non, je ne serai jamais une bonne communicatrice. Moi, je suis bien en marketing. Ironie de la vie, je sais, c'était tellement drôle. Et je me rappelle, notre ancien directeur des études me disait, mais quand je te vois, je vois une communicatrice, je suis sûre que tu seras excellente. Et moi, je lui disais, non, je ne suis pas faite pour ça, ce n'est pas un job pour moi. Moi, je préfère faire mes conceptions, créer un nouveau produit et puis voilà, et les communicateurs, ben, ils vont le faire. Moi, je ne suis pas bonne. Je suis sûre qu'aujourd'hui, s'il me voit, il va en rire. C'est sûr. Donc, du coup, l'option, c'était soit de quitter l'école et aller faire la gestion commerciale dans une autre, ou bien prendre l'option de faire un MBA. Un MBA, c'est plutôt le management des entreprises. Ouais. Ou bien Master in Business Administration. Donc, c'était mes deux options. Mais IEM, c'est vraiment une école de référence et je ne voulais vraiment pas quitter. Du coup, je me suis dit, bon, en management des entreprises, je vais retrouver le marketing dans continuant, ce n'est pas grave. Donc, il y a le Master 1, le Master 2. Et une fois arrivé en Master 2, il fallait commencer déjà à réfléchir sur un thème de mémoire. Et je ne voulais pas un mémoire... un thème déjà vu, un thème trop populaire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le digital marketing? On en parle peu, les gens... Je trouve que les gens ne s'intéressent pas trop. Oui. Donc, pourquoi pas? Donc, du coup, j'avais un bon ami qui était dans l'école. Et lui, il venait de Dakar. Il avait fait Dakar d'abord avant de venir à mon école. Donc, il était assez dans ce domaine. Et je lui demandais, dis-moi, tu connais pas une entreprise qui est assez spécialisée dans le digital marketing, m'a dit, ah tiens, il y a Digital Mugani. Je fais, ah tiens. Il fait, bah, si tu veux, tu pars, tu fais ton stage et tu fais ton mémoire et tout. Je lui dis, oui, je suis vraiment intéressée. C'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Et au préalable, je le dis toujours, j'étais juste venue faire mon mémoire et fuir. Je n'avais pas l'intention de rester. Ouais. Et quand je suis venue, le directeur Wahid m'a dit, mais tu sais, le digital marketing, c'est vaste. C'est beaucoup de branches. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Nous avons le référencement, il y a le community management, il y a l'e-réputation. Ouais. Je me suis dit, mais ce n'est pas vraiment digital marketing. Il dit, oui, c'est le digital marketing, mais le digital marketing, c'est vaste. Raison pour laquelle je te demande d'aller réfléchir spécifiquement
sur un thème bien précis et tu reviens, on en parle. D'accord. Donc, après, c'était vraiment parler sur l'irréputation. Et il a commencé à m'initier sur l'irréputation. Sur un mois, j'avais commencé vraiment en force. Et je me disais, oh, ok, je vois que ce n'est pas vraiment un stage ordinaire et ils font travailler les gens. Et c'est vrai, je me rappelle, le premier jour, il l'a dit devant tout le monde, chez nous, il n'y a pas de différence entre stagiaire et contractuel. Vous travaillez tous. Très bien. Et c'était vrai, en fait. Et après, il a commencé à m'initier dans la com digitale. Et là, je lui ai dit, DG, stop. Je pense que je vais faire mon mémoire sur la com digitale de chez Orange Niger. Il fait, tu es sûr? Tu veux plus de lire et ta chose? Je lui ai dit non. Je veux faire le mémoire sur la communication digitale. Il fait, ok, il n'y a pas de souci. Et là, petit à petit, on a commencé. Bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui avait déjà une très bonne base en littérature, c'est très facile de rédiger. Donc, il est très essentiel que si vous voulez vous lancer vraiment dans la communication digitale, vous devrez vraiment avoir l'art oratoire et écrit vraiment top. Parce que d'ailleurs, justement, j'allais te demander, c'est quoi les qualités et puis les compétences qui sont nécessaires Il y en a pas mal, hein. Il faut savoir vraiment être au taquet en français parce que sinon, et même en anglais parce que il va arriver que la personne soit confrontée à des clients qui ne sont pas francophones mais qui sont anglophones. Et là, ils vont demander à ce qu'il y ait des publications et en français et en anglais. Dieu merci, il y a beaucoup de traductions. Il y a aussi des plateformes comme DeepL qui est vraiment assez efficace, qui est même nettement plus professionnelle que Google Traduction pour ceux qui ne sont pas vraiment. Parce que il n'y a comment tu écris DeepL? Tu as dit DeepL. DeepL, c'est. Oui, DeepL, oui. C'est D, 2 E, P et L. D'accord, ok. DeepL, oui. Parce que bon, il faut qu'on se dise la vérité. Même nous, tout le monde, les fautes, c'est les gens sont humains. On peut commettre des fautes. Moi, dès que j'ai un doute, je pars sur Reverso. Je revérifie l'orthographe avant de publier. Parce que c'est très essentiel. Il ne faut pas publier avec des fautes. Ça ne donne pas en fait une bonne image pour l'entité pour laquelle vous communiquez. Parce que si vous, c'est vrai qu'en tant que rédactrice, tu peux ne pas t'apercevoir d'une erreur, mais s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est plus vraiment posé, qui peut regarder, n'hésitez pas. Ne soyez pas orgueilleux ou un truc du genre. Non, personne ne détient le savoir. On est toujours en quête d'apprendre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, Dieu merci, on a Internet. Mon père le dit toujours, il fait, vous avez eu la belle vie. Nous, on a souffert. Je fais, oui, c'est vrai, vous avez souffert. Nous, c'était les livres avant l'Internet. Nous, on n'avait même pas Internet. Je fais, oui, c'est sûr. Nous, c'est vrai que Dieu soit béni. Ah, ouais, franchement, nous, on ne va pas se plaindre, franchement. On a Internet. Et il y a tellement de plateformes qui aident, qui guident. Et si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours quelqu'un peut-être qui est mieux que vous. Donc, n'hésitez pas. C'est votre job, mais c'est pas comme si vous étiez que la langue française. Bon, oui, on parle français, mais même eux, ils arrivent quelquefois à ce qu'ils commettent des erreurs, des fautes. La faute, elle est humaine. Hein, donc, n'hésitez pas à vraiment revérifier avec d'autres personnes ou bien revérifier sur des sites comme Reverso où il y a plein d'autres sites d'orthographe, en fait, avant toujours de publier. C'est vraiment essentiel. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé le community management. Oui, en fait, j'y ai vraiment pris goût, en fait, parce que bon, c'est comme ça que j'ai appris sur le terrain. Okay. Donc, du coup, c'est vraiment pas un métier que j'ai appris à l'école. C'est vraiment sur le terrain que j'ai appris. Et j'y ai pris goût. Et ça m'a passionnée parce que j'ai mis déjà les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment très facile. Mais c'était la rédaction qui était essentielle. Parce que c'est vraiment le côté qui bloque beaucoup de gens. Parce que trouver l'inspiration pour écrire, ne pas répéter toujours les mêmes choses, toujours se réinventer, trouver d'autres reformulations, être fun sans être trop barbant, ne pas répéter les mêmes choses. En fait, c'est assez compliqué, mais une fois qu'on est dedans, ça passe très, très bien. Et c'est juste, bon, le travail, c'est une routine, hein. Faut qu'on se dise la vérité parce qu'après, on finit par s'y habituer. Avant, j'avais des complications à rédiger. Mais après, en un claquement de doigts, j'avais toutes les phrases qui me... Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent faire tout ce qui est littéraire aussi, justement, dans la rédaction web ou bien même communication digitale comme tu fais? Est-ce que tu as des conseils pour avoir l'inspiration? Moi, j'écoute beaucoup de musique. Ça me booste.
Je suis trop fan de la vie. J'adore. Et surtout, même quand je veux être détendue, je veux être relax, ou quand je veux être inspirée, j'écoute beaucoup de musique. Regardez les pubs aussi. Parce que, en fait, là où nous sommes différents des journalistes, c'est qu'un journaliste, il peut venir rédiger tout un long article. Alors que le community manager, c'est vraiment un petit truc, un petit texte qui doit renfermer toutes les informations, sans trop parler, sans trop donner trop d'informations aussi des fois, mais juste un contenu qui va être court, précis, concis, tu vois, très créatif aussi, qui attire. Donc, il m'arrive vraiment de regarder beaucoup de publicités pour écouter un peu ce qu'ils disent pour m'inspirer. Et les infos aussi. Vous voyez les sur France 24 ou CNN ou CNews, voilà. Vous voyez, des fois, il y a des petits commentaires que les gens font en bas, des petits tweets qui passent. Oui. Donc, je regarde vraiment Je fais attention. ces genres de textes parce que je trouve des gens qui sont vraiment inspirants. Je me demande comment ils font pour rédiger. En fait, à la base, Oui? si on veut, donc je résume un Allô? peu. Tu es parti du droit, enfin à la base, tu voulais faire du droit, et au final, tu t'es retrouvé à plus faire de la gestion commerciale, marketing. Et justement, c'est pour Oui. dire aussi que l'orientation, de toute façon, ça, je vais le dire, je pense souvent au conseil, ce n'est pas linéaire. Déjà, tu as fait une première étape en te Oui. dirigeant vers gestion commerciale et marketing parce qu'à cette époque, on va dire que, bon, ce n'est pas forcément ce qui t'intéressait, mais bon, il y avait quand même une petite flamme pour ce truc. Et c'est là que tu as Oui, découvert que, bien ah sûr. ben tiens, ça me plaît. Et si ça ne t'avait pas plu, peut-être que justement, tu aurais changé de voie. Et c'est OK de changer de voie. Ce n'est pas la fin du monde, en fait. Bien sûr, c'est Et pas la fin justement, du j'ai monde remarqué parce que que dans ton parcours, des fois, il y avait un peu de. Tu disais des résistances. C'est comme si, non, je ne veux pas faire ça. Et les gens te disent, mais là, tu serais bien. Donc, essaye. Et finalement, en Oui, essayant, bien tu vois sûr, que tu aimes parce que bien. en fait, c'est tellement drôle. En fait, surtout pour mon directeur des études qui me sortait tout le temps. Et tu sais, c'était pas le seul. Je me rappelle, j'ai un ami tchadien qui m'a toujours dit que, en fait, lui quand il m'entend parler, il se dit, elle ferait bien de la com celle-là. Mais moi, je voulais vraiment pas entendre de la com parce que pour moi, la com c'est bon, je vais venir parler et tout. Et je vais te dire un truc. Si c'était de la com classique, ça m'aurait pas plu. Mais vu qu'il y a cet aspect digital, je pense que c'est plus ça qui m'a attirée, en fait. Ce n'était pas vraiment ordinaire. J'ai remarqué qu'ici, en fait, tout le monde voudrait faire la même chose. Et il fallait changer. En fait, il ne faut pas toujours se limiter. Il faut découvrir, il faut essayer de connaître d'autres choses. Donc, tu vois, et c'est vrai que ce n'est vraiment pas linéaire parce que sortir de quelqu'un qui voulait faire le droit, venir atterrir en marketing, virer encore dans le community management, enfin. Encore dans le marketing et la communication digitale, encore ça va, il y a au moins un petit lien. Mais c'est juste pour dire que des fois, c'est des choses qui arrivent. Et en tant que croyante, je crois un peu au destin. Et je sais pas, je me suis dit, bon, si Dieu a destiné ça pour moi, c'est qu'il a vu du potentiel. Bon, on va pas se mentir aussi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que les gens qui font du marketing et de la communication, justement, bon, peut-être que c'est ce qui manque. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est censé être, enfin, un domaine qui est censé être innovant. Donc, si vous faites la communication, le marketing, et que vous partez faire, comme, parce que tu n'es pas la première à me dire ça, et que vous partez, en guillemets, faire comme tout le monde, vous n'essayez pas de vous différencier, vous n'essayez pas de toucher Mais des bien sûr. branches que les gens, les autres personnes ne touchent pas. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous faites de la communication, il y a Media Planner, il y a Copywriter, pas Copywriter, mais tout ça, en Bien fait, sûr. pour connaître, pour s'orienter dedans et pas faire comme tout le monde. Et en plus, quand je le disais hier même à un ami, c'est que il faut pas toujours aussi se limiter. Moi, actuellement, je suis community manager, mais j'essaie un peu de chercher à toucher les autres types de communication, que ce soit classique ou pas. Parce que, en fait, la com, c'est une succession, en fait. Tout est lié, vous voyez? Et moi, j'aime pas la routine, comme je l'ai dit. Et il faut toujours chercher. Je suis bonne en ça, ok, pourquoi? Oui, je maîtrise maintenant. Pourquoi ne pas toucher à autre chose? Actuellement, c'est que je cherche, une petite confession, je cherche à me perfectionner ou à apprendre l'infographie. Franchement, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'infographes et je les voyais faire Photoshop. Moi, j'aimais bien les images, ça me plaisait tellement et j'étais là pendant tout ce temps à les regarder et je voyais comment ils faisaient et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Et actuellement,
Il y a quelques mois, j'ai suivi une petite formation. Et mais tous mes infographes, je leur ai dit, hey, les gars, j'arrive, hein, vous allez m'apprendre. Parce que moi, je ne vais pas me limiter seulement à la com digitale. C'est ça aussi, il faut se réinventer. Bien Il faut sûr. toujours essayer de se différencier des autres. Parce que moi, c'est vraiment un handicap pour moi. Moi, j'aimerais vraiment apprendre l'infographie. Franchement, c'est un truc qui me passionne. C'est beau, en fait. Vraiment, c'est une forme de communication aussi. Parce que tout contextualiser dans une seule image, mon Dieu, c'est terrible aussi. Hein, ce n'est pas vraiment facile, mais moi, je trouve que c'est assez complémentaire. Moi aussi, Bien j'adore tout sûr, ce qui c'est est facile, graphisme. mais Je trouve que c'est bien super sûr, de rajouter tu vois, ça le encore à l'agenda. graphisme et la photographie, graphisme et photographie, bon, déjà que j'adore les selfies, n'en parlons pas. Alors là, je suis as dedans. J'aime Donc tellement les selfies, un mon jour on Dieu. aura Oumaïssa, photographe, infographe, Ah, ça, tout c'est clair. mélangé. Moi, en tout cas, j'aimerais bien. En tout cas, la photographie, j'y songe, hein. J'y songe vraiment parce Et que je je me suis vois contente encore. que Parce que tu dis ici, ça. Je suis contente que tu dis ça parce que effectivement, au moment du bac, on se dit le choix il est crucial. Il faut à tout prix que je définisse tout ce que je vais faire pour les 40 prochaines années. Non, ce n'est pas le cas. On commence quelque chose. On a un revenu. Hein, on a quelque chose quand même pour vivre. Après, on peut décider de passer à autre Bien chose. sûr. Effectivement, ça demande un temps, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans peut-être, ou même peut-être plus, hein, pour changer de ce qu'on faisait avant, en faisant soit une Oui. formation, soit en apprenant sur le terrain, en demandant à quelqu'un si on peut l'observer dans ce qu'il fait. Mais au final, Bien si tu veux sûr. vraiment changer, tu peux. Donc, même si ça prend du temps, mais bon, c'est la patience en même temps, j'ai envie Oui. de dire. Donc, Tu sais, c'est de la patience je suis et contente que chacun tu en a son parles. dada en fait. Oui. En fait, chacun a son dada et c'est une question de passion aussi. Parce que moi, je me rappelle même quand on est venu en première année, on a fini la première année, ma voisine de derrière, elle était encore plus obsédée par le droit que moi. Elle a quitté, elle a repris la première année à l'université. Du genre, j'étais en deuxième année, elle a repris la première année à la fac. Donc, du coup, pour vous dire que elle, c'était le droit ou rien. Moi, peut-être après, j'ai baissé les bras. Je ne sais pas, parce que j'ai commencé à aimer. Au fond, je ne voulais pas l'admettre. Ou bien, je ne sais pas, je me suis dit, bon. Et puis, vous savez, des fois, c'est une réalité qui est là. Quand les parents, les aînés, quand ils vous donnent aussi des conseils, peut-être parce que c'est parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas, parce que nous sommes jeunes. Eux, ils ont nettement plus d'expérience dans la vie. C'est vrai que des fois, quand on est motivé, on veut coûte que coûte faire, mais il faut aussi tenir compte de leurs avis. Parce que c'est nos aînés, ils savent toujours plus que nous. Et c'est ça aussi, parce que c'est ça l'Afrique. Les aînés, quand ils parlent, même quand on ne veut pas certaines choses, on se plie à quatre parce que bon, on n'a pas vraiment d'autres choix. Mais des fois, parce que moi aujourd'hui, même pour la filière, au début, je voulais vraiment plus aller en administration. Ils m'ont dit, mais non, on va dire marketing, peut-être ça va aller là-bas. Et je vous jure que je les remercie parce que j'ai écouté leurs conseils. Et c'est ça aussi. Je félicite encore une fois ta plateforme parce que c'est toujours bien d'avoir Merci. quelqu'un qui va t'orienter, qui va te guider en fait. Il y a, oui, il y aura ta plateforme, il y aura les parents, mais au moins là, peut-être il y aura beaucoup de gens qui se sentiront moins confus que moi il y a quelques années. Parce que moi, j'étais vraiment à la limite très confuse. Parce que, en fait, c'est vraiment une préoccupation. Hein. C'est un casse-tête, en fait, d'avoir le bac. Parce que, après, au début, c'est juste, on va avoir le bac, on va avoir le bac. Mais après le bac, en fait, ça devient un casse-tête. Mais qu'est-ce que je vais faire finalement? Parce qu'il y en a qui n'y songent pas qu'après avoir obtenu le bac. Ça, Il y je en m'en a aussi suis tout comme rendu moi. compte. Ça, je m'en suis rendu compte parce que du coup, avec Edukia, j'ai Bien vu un sûr. peu justement l'attraction. Mais ça, mais c'était après. Et du coup, on m'a demandé beaucoup de conseils en Messenger. C'est bien, mais du coup, en fait, l'orientation, ça se prépare. Ça se prépare. Franchement, Bien l'idéal, c'est de déjà. préparer de commencer à réfléchir à ça en seconde, en première Mais bien et sûr, en en terminale fait, de même moi, consolider. c'était Ça, c'est depuis. l'idéal. Bien sûr, parce que même moi, le droit, je ne me suis pas levée du jour au lendemain. C'était un truc que je visais il y a longtemps. Je me disais, et même quand on avait pour les orientations des séries, parce que en fait, chez nous, avant, dans le système au lycée, c'était des secondes troncs communs, si tu veux, des secondes uniques. On les appelait des secondes uniques. Mais une fois, nous, arrivés en seconde, on a dû être orientés selon les notes du BEPC. Soit tu es bon en maths, tu pars en série scientifique, soit la série D ou la série C, ou tu es bon en lettres, tu pars en série A. Donc, c'était vraiment un truc comme ça. Et moi, j'avais ce doute. Je me disais qu'en série D, je pouvais m'en sortir, mais qu'est-ce que je voudrais faire réellement?
Donc, je voulais vraiment évoluer dans le droit. Et c'est vrai qu'avec un bac D, vous pouvez faire le droit, mais le meilleur bac, c'était vraiment d'avoir un bac littéraire. Donc, c'était vraiment aller en série littéraire. Et j'ai vraiment pas regretté et tout. Bon, après, une fois les études supérieures aussi, l'université, que tu aies un bac. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient un bac A, mais qui étaient en comptabilité. Vous voyez? Moi, techniquement, j'ai jamais aimé la comptabilité. C'est un truc qui m'a jamais plu. Mais j'ai vu des gens qui ont un bac A, mais qui se sont vraiment bien débrouillés en comptabilité. En fait, tout est une question de détermination. De détermination et de passion. Parce que rien ne peut vous attendre. Rien ne peut vous freiner. Et la com digitale, chaque fois que j'explique mon parcours aux gens, je dis, mais attends, toi, t'as sauté, mais t'es sorti de partout. Je fais, oui, mais c'est comme ça arrive. J'ai appris sur le terrain un métier qui m'a vraiment extrêmement plu. Et je suis fière aujourd'hui d'exercer ce métier parce que je pense que j'ai trouvé ma vocation. Franchement. Et je Oh, pense que c'est c'est trop des choses bien. qui Ça, j'adore ce genre de paroles. Si je devais Non, mais c'est vrai parce résumer que. la conversation, c'est j'adore ce que je fais. Et justement, en fait, enfin, l'idée aussi de Ezekia, c'est ça. C'est-à-dire que bah, tu choisis un métier. Bon, bien sûr, tu t'es renseigné, tu as pris le temps de t'orienter. Ce n'est pas quand j'ai eu le bac. Bien Ah, sûr. mais du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Non, c'est avant que tu aies anticipé. Sans tes parents, tu peux le faire tout seul. Hein. Ça, c'est ton job aussi de te renseigner, de poser des questions, d'aller voir des professeurs, de dire, ah, tu connais tel métier, de rencontrer des gens qui font tel métier, voilà. Et quand tu as fini ça, c'est là où tu as un choix, on va dire. Enfin, en tout cas, tu as des idées de choix. Et c'est là que, justement, tu peux tester les choses jusqu'à tomber, ben, comme sur, enfin, comme pour Oumaïssa, sur quelque chose qui te correspond vraiment. Voilà, mais pour ça, il faut tester, se Bien sûr. renseigner, oui, douter des fois, mais après conforter des choses, dire ça j'aime, ça j'aime Bien sûr, pas. ah, le doute, ça ne manque pas. Hein. Les doutes, ça ne manque pas parce que c'est en fait c'est même normal parce que tu te dis, et si je pense ça va marcher, je peux vraiment le faire. Parce que moi, techniquement, je suis quelqu'un, je ne supporte pas trop l'échec. J'aime toujours être au taquet. Mais une fois que j'avais commencé la com digitale, donc, du coup, quand j'avais commencé, je me suis dit, il fallait vraiment, mais vraiment que je m'applique. Peut-être qu'on m'a toujours dit de ne jamais baisser les bras. Il faut toujours se battre dans la vie. Au moins, si tu t'es battu, ça n'a pas marché. Là, tu vas dire, bon, OK, au moins, j'aurais essayé. Mais c'était vraiment, il fallait que je me donne à fond, voir ce que ça va donner. Et je suis désolée, mon patron me l'a dit, il m'a dit, en fait, ça a collé. J'ai vu que tu étais quelqu'un qui était motivé. Raison pour laquelle j'ai décidé de te garder. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'allais l'aider à faire son mémoire et puis au revoir, bye bye. Mais j'ai trouvé en toi des potentiels. Et moi, je ne trouvais aucun potentiel, en fait. À chaque fois qu'il me sortait ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il voit en moi que je ne vois pas? Mais pourquoi il me dit toujours que j'ai du potentiel? Je ne comprends pas du tout. Mais c'est juste que. Bon, c'est vrai que c'est un manque d'expérience. Je venais juste de sortir de l'école. Je ne comprenais pas certaines choses. Enfin, j'avais pas vraiment fini quand j'avais commencé le stage avec lui. Je finissais le stage et je partais à l'école parce que c'était des cours du soir. Du coup, quand je sors à 8 heures, il fallait 21 heures pour que je rentre. Je faisais le stage de 8 heures à 17h45. Je prenais des cours de 18 heures à 21 heures, 21 heures et demie. Et le temps d'arriver à la maison, des fois, il était 21h30 ou 22 heures. Ça dépend. C'était vraiment intense, mais j'étais très motivée parce que pour moi, c'était vraiment avoir une possibilité d'avoir un job, mais aussi de faire vraiment un mémoire. Ce que je voulais dire aussi, c'est, enfin, parce que quand tu en parles, je me dis, ce qui se passe aussi, c'est que des fois, on n'arrive pas, comme tu as dit, à identifier soi-même ses qualités, ses talents ou ce dans quoi on pourrait être Bien sûr. doué. Et en fait, c'est un peu, il faut écouter. Je sais que c'est facile à dire, hein, parce Ah que non, moi-même, je ne suis écoutez. pas la meilleure, voilà, personne pour ça, mais il faut Bien l'écouter, parce sûr. que si plusieurs personnes te disent, ben, en fait, tu devrais faire ça, ça te ressemble. Il faut écouter un peu ce que les gens te disent et puis te dire, ah, mais en fait, ça fait plusieurs personnes qui me disent ça, même si moi, je ne le réalise pas tout de suite. Bien Peut-être qu'il sûr. faudrait que j'essaye pour voir Bien si ça sûr. me plaît. Voilà. Et aussi, par Bien rapport au sûr. fait que tu as parlé, oui, les parents, bon, on peut être tiraillé, hein, j'avoue, entre ce que les parents peuvent dire, ben, en fait, ce serait bien que tu fasses, bon, peut-être médecine ou droit ou tout ça. Peut-être parce que c'est prestigieux, hein, et puis peut-être aussi parce que, ben, c'est, je veux dire, c'est tes parents, donc ils veulent que tu réussisses à vivre, que tu t'en sortes, que Bien tu restes sûr, bien sûr. stable ou que tu travailles dans le public. C'est Bien sûr. normal. Après, toi, tu sais que tu as quelque chose que, par exemple, qui te plaît à côté.
J'avoue, c'est un équilibre. Donc, bien sûr, oui. Quand en plus j'ai publié ça comme article, j'ai dit, soit effectivement, tu n'as pas le choix, donc financièrement, peut-être que oui, c'est eux qui te financent, donc ben, tu pars de ce principe, mais à côté, tu essaies de continuer à faire ce qui toi te plaît. Donc, dans ton cas, ça aurait pu, par exemple, être, bon, je ne sais pas, hein, si tes parents voulaient que tu fasses, je ne sais pas, droit ou médecine, tu aurais fait ça. Et puis, à côté, peut-être que tu aurais développé un blog, peut-être que tu aurais commencé à publier sur les réseaux sociaux, parce que ça t'aurait plu. Donc, en fait, c'est l'idée que ne laissez pas ce qui vous plaît, en fait, totalement. Moi, j'ai été plus ou moins peut-être guidée, parce que je ne sais pas, je suis du genre, bon, j'essaie vraiment d'être docile. Mais d'une part, à un moment, je leur ai dit, finalement, c'est moi, je vais aller sur les bancs. C'est pas vous, vous allez bosser pour moi. Et j'aimerais vraiment faire les choses bien. Oui. Je suis quelqu'un que, même si au moins, je veux pas trop, mais je veux quand même faire les choses bien. Mais bon, eux, ils avaient vraiment voulu la fonction publique pour moi, comme pratiquement tout le monde. Parce que bon, c'est vrai, c'est une réalité. En Afrique, quand tu as la fonction publique, tu as une garantie. On ne peut pas venir te licencier. On ne te licencie pas. Tu as ton matricule, c'est fini. Mais le privé est risqué. Et c'est normal pour tout parent de vouloir le meilleur pour son enfant. Bien sûr. Je suis vraiment d'accord. Et bon, je ne suis pas encore parent, mais ce qui est sûr, je les comprends parfaitement. Ouais. Tout le monde voudrait le meilleur pour son enfant. Tout le monde voudrait voir son enfant réussir. Qu'on dise, ah, c'est mon fils. Ah, c'est ma fille. Elle a réussi. Elle s'est démarquée des autres. Je suis vraiment totalement d'accord. Mais tu sais, c'est en Afrique. Et les parents, ils sont assez... ils sont assez spéciales, je vais dire. Ils veulent toujours dominer. Ce qui est sûr, on se comprend. Si ce point-là, je pense qu'on se comprend. Je pense que même ceux qui vont regarder vont comprendre. Ah, ils vont rire. Ils vont rire, ils vont comprendre. On a parlé de conseils d'orientation. Et moi, je voulais savoir quand même, parce que c'est... Enfin, si on revient au métier de communication digitale, est-ce qu'il y a des inconvénients que tu veux souligner? Bon, en fait, franchement, c'est un métier qui est très passionnant pour tous les gens qui aiment être en contact avec les gens. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime échanger, j'aime rencontrer du monde. Enfin, même des gens, quand je dis j'aime rencontrer des gens, pas que nigériens, en fait, j'aime échanger, en fait, sur beaucoup de choses. Si ces genres de choses vous plaisent réellement, c'est que la com digitale est peut-être un avantage pour vous parce que, des fois, comme je le dis, sur le terrain, j'ai eu à rencontrer des gens que je n'espérais pas voir. La première fois que j'ai fait un terrain, mon Dieu, j'ai rencontré le Premier ministre. Mon Dieu, il m'a donné la main. J'étais là, je me suis dit, je vais mourir. Le Premier ministre m'a donné la main. Je vais faire rêver les gens. Oh mon Dieu, je suis venue à la maison. Je leur ai tous dit, ne me donnez pas la main. Le PM m'a salué aujourd'hui. Je ne vais pas dormir, je ne vais pas me laver la main. C'était cette main, mon Dieu. C'est vraiment incroyable. Et c'est normal parce que c'est des gens que tu voyais à la télé, tu te dis, quand est-ce que je ne vais jamais les rencontrer de ma vie. Et j'ai tellement rencontré du monde, mon Dieu, et des gens tellement sympas les uns que les autres, qui sont tellement ouverts d'esprit, des gens qui sont devenus même des mentors, des conseillers, des gens que j'admirais. C'était incroyable, j'ai rencontré tellement de personnes et on a eu à s'occuper aussi de pas mal de structures. Et c'est des structures qui étaient vraiment assez imposantes ici au Niger. Et tu te dis, mon Dieu, je cause avec un tel DG. Oh non, il faut que je garde mon sang-froid quand même. Bon, ça, c'est normal. Bon, ça, c'était au début. Mais après, on finit par s'y habituer. Ça devient un peu une espèce de routine. Bon, il y en a un, c'est sûr, qui ça va leur monter à la tête. Mais bon, il faut juste garder la tête sur les épaules, franchement. Mais du coup, en fait, là, tu m'as dit des avantages, mais tu ne m'as pas dit d'inconvénients. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu les inconvénients. Peut-être le seul inconvénient que je vais voir, ou peut-être deux, c'est vraiment à un moment, tu n'auras pas trop de temps libre. OK. Parce que moi, il m'est arrivé de bosser du dimanche au dimanche. Ah oui, d'accord. Ouais. Je peux bosser du lundi au vendredi, bien sûr, comme c'est les jours, bien sûr, ouvrables et tout. Mais les week-ends, il m'arrivait à faire des terrains. Et il y a des événements qui peuvent commencer le vendredi. Et qui vont couvrir tout le week-end. Donc, du coup, je vais faire vendredi, samedi, dimanche. Tu vois? Donc, ça m'a pris toute la semaine. Et c'est 7 jours sur 7. Ça peut arriver. Donc, des fois, vraiment, il n'y aura pas trop de repos et pas trop de temps libre. Et à un moment, j'étais considérée comme une espèce d'associable parce que je ne m'affichais plus trop dans la famille parce que j'étais toujours sur le terrain.
Il m'arrivait d'aller en mission, mais c'est le boulot. C'est le boulot, c'est le boulot. Mmh. Des fois, c'est comme ça, ça arrive. Ouais. Et aussi, un des grands défis, c'est plutôt la connexion des fois. Parce qu'au Niger, vraiment, la connexion, ça reste vraiment indésirable. Et tu as vu, même ce matin, on avait pas mal de connexions. Jusqu'à présent, ça coupe. Mmh. Des fois, ça part, ça revient. Mmh. Dieu merci, aujourd'hui, ça va, d'ailleurs. Mais des fois, la connexion, c'est vraiment un grand défi. Parce que pour un community manager, il n'y a pas pire que d'être là en train de faire un live et la connexion s'arrête. Ou bien ouais. Tu es là, tu essayes de... Lors d'un événement, parce que oui, tu dois publier tous les grands, les moments forts, tu vois. Mmh. Il y a, par exemple, l'ouverture d'un événement, tu dois faire un live avec des tweets. Mais avant de publier, c'est une heure de temps, deux heures de temps après que ça passe. C'est mmh. pas très intéressant des Je fois. Je peux comprendre, oui. On essaye de faire avec, mais c'est pas facile. Mais mmh. Vraiment, en tant que community manager, c'est vraiment les deux trucs qui vont vraiment être un blocus. À la limite, mmh. le temps libre, ça, je suis sûre que ça peut être universel. Mmh. Mais la connexion, pour nous, ça a été vraiment un défi ici. Et en termes de tout ce qui est évolution de carrière, c'est-à-dire qu'après, qu'est-ce que tu te vois faire ou c'est quoi la suite de l'évolution de community manager, de responsable communication digitale? Qu'est-ce qu'on peut devenir? Bon, en fait, je ne te cache pas que c'est ces dernières années que le numérique a eu vraiment... a connu un essor ici au Niger. Mm-hmm. Moi, c'est vraiment un métier qui commence à peine, en fait, à connaître vraiment son essor. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, il y a eu pas mal d'évolutions, mais les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. Parce Bien. Que je vois beaucoup de jeunes qui disent « je fais de la com digitale et tout », mais je vous jure que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent faire la com digitale. Ce n'est pas vraiment se lever du jour au lendemain. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, la com digitale, ben, c'est venir écrire un statut sur Facebook. Mais ce n'est pas ça. C'est d'abord mmh. une stratégie. De la mmh. même manière dont on élabore des stratégies pour une entreprise, tu mmh. ne peux pas faire de la com digitale pour une entreprise sans stratégie de communication digitale. Ce n'est pas possible. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour dire « Ah, je vais communiquer pour telle entreprise et je commence à communiquer. » Ce n'est pas possible. Mmh. C'est plutôt… Même moi, je prends exemple sur moi. Orange avait sa stratégie, mais avant de communiquer pour eux, on a dû faire un mois et demi de formation, maîtriser leur catalogue d'offres et services. Mm-hmm. Même ça, c'est toute une formation. Ouais. Parce qu'une fois dans la com, tu dois dire comment tu dois souscrire à telle offre, si tu veux, je ne sais pas, ou bien appeler à l'extérieur, il y a telle promo, comment voilà souscrire. C'est mm-hmm. toute une formation en fait. Et après aussi, il y a le côté relationnel, la gestion de relation client. Quand un client t'écrit, comment est-ce que tu dois le prendre en charge? Ouais. On a dû faire un tour au call center pour voir comment eux, ils prennent les clients en charge pour vraiment plus ou moins nous aligner aussi sur les réseaux sociaux, vous voyez. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pas que venir écrire. Oui, il y a le fait d'écrire, venir publier, mais vous devez prendre le client en charge. Mm-hmm. Vous devez vous maîtriser, avoir du self-control. Être créatif quand vous faites vos contenus, savoir quand et comment réagir face à un client qui n'est pas content, avoir l'esprit d'initiative. Des fois, vous savez qu'il y a des insultes, vous ne pouvez pas répondre. Si la personne a des plaintes, c'est vraiment le prendre en charge, le calmer et lui écrire en inbox, vous voyez. C'est vraiment en fait beaucoup de choses. Et des fois, ce n'est pas que le formateur qui va tout vous fournir. Vous-même, vous pouvez vous auto-former. Par exemple, mon formateur ne m'a pas dit telle chose, mais je peux réfléchir à comment faire ci, comment faire ça. En fait, il faut être très actif et très proactif, en fait. C'est très mmh. essentiel dans la com digitale. Si vous voulez être actif, vous devez être actif et proactif, très créatif, ouais. discret aussi. Vous allez être fun dans vos contenus et tout, mmh. mais vous allez vraiment avoir beaucoup de self-control aussi. Okay. Mais la proactivité est très essentielle. Et ici, au Niger, jusqu'à présent, les gens n'appréhendent pas vraiment encore la communication digitale. C'est dommage. Mais c'est en train de venir. Bien c'est sûr, en train de venir et beaucoup de gens sont en train de... Beaucoup de gens sont en train de comprendre mm-hmm. c'est quoi d'abord. Parce qu'il faut d'abord savoir c'est quoi avant mm-hmm. de se hasarder vraiment dans le domaine. Mm-hmm. Mais il y a eu pas mal d'évolutions. Mm-hmm. Et du coup, j'avais une question. En termes de... Parce que forcément, il y a des gens qui vont se poser la question. En termes de salaire... Si tu devais donner une fourchette, par exemple, quand tu débutes et que tu es embauché par une agence,
en communication digitale après tes études, donc on suppose après un master. Ça peut être avant, hein, mais après un master, vu que c'est ce que tu as fait, quelle est la fourchette de salaire qu'on peut espérer? En fait, tout dépendra de l'agence, de l'entreprise et des clients que vous aurez à gérer. Parce que moi, en tant que j'ai commencé à Mugani, c'était une start-up. On avait juste quelques clients à gérer. Et j'avais pas un gros salaire parce que, bon, au finish, on a un diplôme, on a un master, mais on n'a pas de bagage intellectuel. C'est maintenant que les choses vont vraiment commencer. L'expertise, ça compte beaucoup aussi, vous savez, dans le salaire. Et je dirais qu'il a pris juste un petit diamant brut, qu'il a poli. J'accepte. Parce que moi, je suis quelqu'un, ça c'est personnel. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis quelqu'un, je ne mets pas d'abord le salaire en avant. Et surtout au moment où j'ai fini les études, je me dis que je ne sais rien en fait jusqu'à présent. C'est maintenant que je vais apprendre un métier et peut-être pour mon prochain job, là, je vais me faire mieux vendre. Je vais me vendre mieux, tu vois. Mais pour un début, ce n'était pas vraiment un gros salaire. Mais moi, ça me convenait. Moi, ça me faisait de l'argent de poche. Je pouvais faire mes petites dépenses, j'avais mon argent pour les transports, je pouvais avoir ma connexion sans trop embêter ma sœur. Donc, ça me suffisait largement. En fait, moi, j'étais vraiment reconnaissante. Mais c'est vrai qu'à un moment aussi, quand tu as de l'expérience, tu peux peut-être une fourchette, si je dois donner une fourchette, peut-être de 200 à 500. Tout dépendra en fait de la structure pour laquelle vous travaillez. Vous pouvez, moi, j'avais beaucoup de tâches à Mougani, mais je voyais des gens qui gagnaient plus que moi. Mais ils avaient juste un seul compte à gérer et c'était leur compte, genre le compte de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Alors que moi, j'avais le compte de l'agence et les autres clients tels que Orange, Niger Post ou Lancy. Mais bon, c'est comme ça. Chacun a sa chance, chacun aussi a ses capacités. C'est comme ça. Moi, je gérais toutes ces structures et c'est normal pour une start-up comme Mougani, on n'avait pas vraiment une très grande capacité financière. Mais aujourd'hui, c'est pas à comparer pour les Nations Unies, vous voyez un peu. Bien sûr. Aujourd'hui, un community manager des Nations Unies, il peut gagner plus, enfin, c'est mon salaire fois 5 ou fois 6, je sais pas, mon premier salaire fois 5, fois 6, tu vois, un peu. C'est pas à comparer. Et c'est comme ça, certains peuvent évoluer. Et ça revient à la question précédente parce que, en fait, tout dépend. Vous pouvez être community manager et être dans une autre structure responsable communication digitale ou être directeur communication marketing ou directeur marketing digital. En fait, tout dépendra aussi de l'impact du digital marketing de la structure. Il y a certaines structures qui vont mettre ça au cœur peut-être de leurs activités. D'autres vont trouver que bon, c'est juste un petit détachement. Donc, on fait un service digital. Donc, tout dépendra en fait de là où vous allez travailler. Mais une raison pour laquelle je disais précédemment tout à l'heure, qu'il ne faut pas des fois toujours aussi se limiter seulement à son métier. Il faut chercher des métiers qui sont des métiers annexes qui peuvent vraiment se rattacher à ce que vous faites. Vous Très voyez, bon. aujourd'hui, je fais de la com digitale. J'aimerais un peu toucher à la communication événementielle, à l'infographie, au design ou à la photographie. C'est qui peut être des atouts pour un futur job. Parce qu'on peut chercher, je ne sais pas, une responsable communication ou relations publiques, mais pour quelqu'un qui fait déjà les réseaux sociaux, qui touche au graphisme, qui a fait déjà de l'événementiel et qui fait de la photographie, mais c'est normal que je puisse m'en sortir quand même. Donc, il faut vraiment toujours essayer d'actualiser. C'est un métier qui vient vraiment juste de commencer. Je suis sûre que c'est un métier d'avenir. Peut-être un jour, on aura vraiment des postes où on dira, ouais, directeur digital marketing ou responsable communication digitale ou des trucs du genre. Parce que ce n'est pas toutes les structures qui ont ce truc-là ici au Niger. Peut-être à la limite les télécoms. Parce que les télécoms, eux, ils ont vraiment compris. Quand je prends Orange, Airtel ou bien Move, eux, ils ont vraiment compris que c'est vraiment un métier qu'on ne doit pas léser en fait. Il faut vraiment Exactement. qu'on tienne compte de ça. Parce que le numérique, aujourd'hui, ça ne se limite pas seulement au Niger. L'Internet, aujourd'hui, c'est une fenêtre ouverte au monde. Tout le monde sait ce que vous faites à l'instant T, vous voyez? Donc, ce n'est pas vraiment un métier qu'on doit négliger. Bon, du coup, je suis contente parce qu'on est passé, donc depuis, on a parlé de ton métier, mais on a aussi parlé de plein de conseils d'orientation. Donc, je pense que regarder la vidéo est intéressante parce qu'il y a du tout. Il y a, OK, le métier que vous allez découvrir, mais il y a aussi plein de conseils pour mieux savoir, enfin, pour mieux vous situer dans l'orientation, que vous soyez avant le bac, Bien sûr. après le bac.
Je pense qu'il y a quand même pas mal de pépites à prendre dans cet entretien. Donc, en tout cas, je voulais prendre le temps de te dire merci, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, d'avoir partagé ton expérience, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené là? C'était quoi le cheminement aussi, on va dire, mental que tu as eu pour passer de ton bac à ce que tu fais maintenant? Du coup, n'hésitez pas, donc, si vous aimez le travail de Olivia, à vous abonner donc à la chaîne, comme je l'ai mentionné au début, à liker et puis à partager aussi, parce que peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui sont intéressés par les aspects communication, marketing, en particulier digitaux, et que cet entretien-là peut leur apporter beaucoup d'éléments, peut leur donner aussi du courage et puis une sorte de persévérance, de se dire « Ah ben, Maïssa s'est lancée, j'ai vu un exemple, on a mentionné les rôles modèles, j'ai vu un exemple, je suis une fille, je suis un garçon, ben, moi aussi j'ai envie de faire ça. » Voilà, parce que Maïssa m'a motivée et que je sens qu'elle est passionnée par son métier. Voilà. Je vous dis à bientôt, visitez là, donnez vos avis, vos commentaires et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.